Histoire continuée, on en est au chapitre 4, on va voir. Des lasagnes, non mais des lasagnes qui bêtent des pommes de terre, on aura tout lu sur ce chat. Salut, salut Louis, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue. Oh là là, oh, ça a l'air tellement bon. Très bien. Et salut Dante Refocal. Refocalé, je pense. Merci beaucoup pour le follow. Hop. On y va, on verra le. C'est vrai que le temps de chargement est un petit peu long ici. Enfin, un petit peu long, tout est relatif. Hein. Il y a beaucoup plus long, mais. Mais en tout cas, enfin, vous allez voir que pour l'instant, en tout cas, on sort pas mal. Voilà. Très très bon jeu, bonne histoire. J'ai juste peur qu'elle soit un petit peu courte. Mais bon, si vous me dites 10 heures, au final, une petite dizaine d'heures, c'est ni plus ni moins qu'un Uncharted classique, hein, au final. Alors voilà où on en est. Ça, c'est notre carte. Ce qui est rayé, c'est là où on est allé. Sinon, on va aller. Donc, hop, à gauche. Ici, là. Puis en haut. Puis là-bas, au point d'interrogation. Le point d'interrogation, je pense très sincèrement que c'est là où on... Enfin, c'est la suite, quoi. Voilà. Donc, hop. Et salut Flop, j'ai rien raté. Non, non, pas du tout, t'inquiète. Allez, on y va. Pourquoi Asaf veut la défense maintenant? Vous croyez qu'il voulait juste l'argent, comme nous? Il va s'en servir pour rallier des gens à sa cause. L'utiliser contre le gouvernement. Comme toutes les autres fois. C'est déjà arrivé? Oh oui. Depuis que le jeune roi a perdu contre les Perses. Tout le monde voulait en récupérer un morceau de ses terres. Moi qui croyais qu'on... Ah, attendez, excusez-moi, je regarde un petit peu où on est. Faut laisser des types comme Asav se battre pour ça, ça nous regarde pas. La guerre, c'était tout ce que je savais faire. C'est vrai, mais tu le faisais pour l'argent. Généralement. Et quand t'as travaillé pour Asav? C'était uniquement alimentaire, ça en valait pas la peine. Aïe! Quel intérêt alors? Je devais me faire une réputation. Je voulais commencer hop, salut Juan. Juan Daniel, merci pour le follow, bienvenue. Ok, donc on est revenu aux ruines du début. C'est bien ça? Non, pas du tout. Ok, okay, mais alors qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi là qui est à côté de nous, du coup? Pourquoi c'est pas marqué sur la carte, ça? On est à côté de quoi? On est à côté de rien? Attendez, je vais aller voir. Ok. J'ai juste jeté un coup d'œil. Il dit qu'il n'y a rien, il dit qu'il y a forcément du loot là-dedans. Enfin, en tout cas, j'espère. Ou alors c'est pour plus tard. Je vois qu'il y a un mécanisme. Ouais, c'est peut-être pour plus tard, en tout cas. D'ailleurs, attendez, en parlant de ça, est-ce qu'il y a moyen que j'augmente un petit peu le bitrate? Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, 1500, ça devrait être bien. Hop, voilà, histoire de pouvoir profiter un petit peu de la beauté des décors. Je vais également éviter de courir, comme ça, ça pixelisera moins. Hop, salut Kamehamenon. Je passe juste pour dire bonjour, je pense pas pouvoir rester pour l'instant en battant sur The Elder Scrolls Online. Très bien. Ah, j'espère pouvoir dire ça bientôt, en tout cas. C'est noté. Oui, il y a le mécanisme là au milieu, je sais pas... Je sais pas ce que ça peut être avec une corde. À part, à part attacher le trait, je vois pas... Hop, je voulais dire treuil, hein, j'ai prononcé ça très à l'arrache au final, salut Spipers. Bon, soit, on sait que c'est là. Moi, il va falloir que je passe. Peut-être que je contourne le truc à gauche. Que j'aille tout droit. C'est vraiment beau ici. Ouais, le détail accordé, enfin, je veux dire, la meuf qui passe les vitesses et tout, c'est le. C'était déjà là dans le 4, hein, mais les voyages en font partie. Le sens du détail de Naughty Dog, quoi. Je suis pas allé. Ouais, enfin, comme tu veux. Eh ben, je suis pas allé aux États-Unis. Vraiment? Ouais. Moi, je cherche des vieux trucs, en général. Les États-Unis n'ont plus quel... Oh. Attention! Ça grouille de rebelles, ici. Bon, quand faut y aller. Allez, hop, salut Ricardo, merci pour le follow, bienvenue. Ok, donc on a lui là-haut. On va marquer. On a lui là, qu'on marque également. Salut, salut Sam. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre là?
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Salut Camionista, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Un campus. Non, le problème c'est que vu ce qu'ils font là comme, comme parcours, ça me paraît un peu compliqué de... En fait je voulais me faire celui là-haut d'abord. Je pense qu'il va plutôt falloir que je me fasse celui qui est en bas, on va voir. J'aimerais d'abord savoir est-ce qu'il y a d'autres personnes. Oui, il y a lui là. Voilà, je vais d'ailleurs prendre le silencieux. Pour pouvoir marquer, c'est plus simple. Où t'as mis le jeton que t'avais trouvé? Je l'ai mis à l'abri. Tu l'as dit à Hassan? Non, j'ai envie de tirer encore plus de fric de ce boulot. C'est super mal s'il le découvre. Pour l'instant, t'es le seul à être au courant. Ok. Putain, j'aurais pu. Chier. Bon. Non! Il m'a pas vu. Ok, tout va bien. Salut Mademoiselle Sandry, comment ça va? Ça fait longtemps. Comment ça se passe sur Uncharted? J'attendais un peu avec impatience que tu le fasses. Ça va. Écoute, il est super. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est ce que je disais en début de stream. Là, je viens de reprendre la partie. Hier, j'ai dû jouer quelque chose comme 3 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Enfin, voilà, je suis vraiment au début du jeu. Et il est vraiment super au niveau des... au niveau du maniement, c'est exactement comme Uncharted 4. Donc voilà, là-dessus, c'est sans surprise. Ça se manie très bien. Pour l'instant, j'ai pas vu de bug ni rien. Enfin, voilà, c'est génial. Et concrètement... Il est super, à part... ouais, c'est ce que je disais, moi je trouve que ça manque un petit peu de storytelling, un petit peu épique, voilà, comme dans les Uncharted plus classiques, donc voilà, à base de grandes cinématiques, avec des musiques super épiques, super intenses. Voilà, c'est un petit peu ce qui me manque. Mais bon, ceci étant, les personnages sont hyper bien choisis, enfin voilà quoi. Chloé, elle est géniale. Nadine, pareil, je la trouve géniale. J'avais hâte de voir ce qu'elle pouvait faire en n'étant pas une antagoniste. Donc au final, voilà, tout est parfait. Salut Pilote Polaski, comment ça va? Salut l'événement geek également. Bon, comment est-ce que je vais me débrouiller? Bon, comment? Allez, un petit dodo. Voilà. Salut Thor, comment ça va? Ça fait longtemps. Nadine Morano. Non, pas celle-là, l'autre. Celle qui sait se battre et... Qu'est-ce qu'il a comme l'autre lui? Pas grand chose. Allez, regardez, je vais essayer de passer par ici. Voilà, dans les petites herbes hautes. Là, je pense que je vais plutôt là où il faut aller. Enfin, je fais le parcours sûrement tel qu'il est pensé. Voilà, le storytelling, ça tarde à se déclencher, c'est vrai. Tu l'as déjà vu, toi? Enfin, je veux dire, tu l'as déjà fait ou déjà vu le jeu ou pas du tout? Moi, je pense que si tu me dis ça, c'est que t'as dû le voir. Merde, c'était quoi ça? Allez, voilà un petit dodo. Parfait. Et jusque-là, on est bien. Il nous manque 3 personnes. Dont lui, là-bas, qui va être bien chaud. Ceci dit, je me demande si je peux pas passer par derrière, ici. On va voir. En fait, il faudrait que je vois quel est son... Ce qu'il fait, comme... Enfin, quel est son parcours à lui, là. Bon, il bouge pas vraiment, au final. Hein. Il reste là, devant... Ok, alors voilà ce que je vais faire. Je suis pas sûre que ce que je ferai bien. On va voir. Et salut Nets comme ça. Merci beaucoup pour le follow. Et salut JDarkWave. Merci également.
Ok, le but, en fait, ça serait de monter là-haut, sur la tour. De se faire le mec de la tour. Ouais, pour l'instant, ça me paraît faisable. Ok, c'est pas ce que je vais faire, mais soit. Hop, j'ai déjà vu deux fois, mais j'en dirai pas plus parce que ça peut vendre ou gâcher son expérience. D'accord, ok. Oh. Allez, il nous en reste un seul. Elle est en petit dodo, mon cher monsieur, parfait. Et il a pas non plus... Il n'a pas non plus le jeton. Je vais aller voir dans le camion s'il n'y a pas du loot. On va voir. Hop, salut Flasseran, comment ça va? Ah, pas de plaisir ce soir sur le chat. Plein de pseudonymes que je reconnais. Non, que dalle. Ok, c'est pas grave, je vais rentrer là-dedans. Ah, qu'est-ce que je fais là? Je vais où? Voilà, c'est bon, je vais là-bas. Salut Arnaud Lulu, merci pour le follow. Bienvenue. Et salut Scarut, comment ça va? Salut Benga également. Et salut Alex. Ok, rien du tout. Donc, on sait que le mec a mis le jeton en lieu sûr. Mais alors, c'est où le fameux lieu sûr, quoi? Oh, mais non, il y a lui aussi! Comment j'ai fait pour qu'il me voit pas? C'est quoi ce délire? Le sniper le plus aveugle! C'est ça en fait, le mec était au rabais. On a besoin d'un sniper. Alors j'ai bien lui, un peu cher. Bah j'ai lui sinon. Ouais, pas mal. Ouais, mais alors le problème c'est qu'il est aveugle, c'est pas grave, ça fera l'affaire. On lui a dit, mec, on va te poster en haut. Attends un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un fail déjà. Hop! Je suis pas en retard pour le CM. Ah bah super, mademoiselle Sandrine, bah tu vas voir là du coup. Enfin, ça met la pression, faut que je joue bien. Jusque là, ça va, pour l'instant, ça va, y a pas de fail, y a pas de... Ça va, je pense que je gère. Par contre, je sais pas pourquoi là-bas j'arrive pas à y aller. Si, ça y est. Elle a une grosse hache celle-là. Je te demande pardon. Une grosse hache. Une hache, et qui pointe vers ce site. Mmh. Yes. Ok, allons-y. Salut Marie, j'avais oublié de te saluer. Non, moi t'inquiète pas, hein, y'a pas de soucis. Comme je lui dis bien souvent, ce stream c'est un peu... je l'imagine un peu comme la taverne. T'entres, tu t'assois, tu commandes une pinte, tu te joins à la conversation du moment, tranquille quoi. Pas besoin des formalités de type « bonjour ». Même si ça fait plaisir, c'est pas... Ce n'est pas indispensable tant que, voilà, tant que tu dispenses ta bonne humeur, quoi. Ok, est-ce qu'il y a des gens ici? Ça n'a pas l'air. Salut Adirwin, comment ça va? Une pinte s'il vous plaît. Très bien. Aïe aïe aïe. Ouais, si, j'ai l'impression qu'on peut y aller, mais... En tout cas, les environnements sont très beaux, hein, comme d'hab. Salut Dark Yukino, comment ça va? Salut Chavert. J'en prends bonne note. Salut André Morère, merci beaucoup pour le follow, bienvenue.
Oh non, Galaxian, tellement cool. C'est quoi? Ah, c'est une émote Twitch énorme. Ok, alors... Oh, quoique, attendez, non, si, j'ai l'impression que je peux monter ici. Ouais. Nice. Oh, oui, d'accord. Et voilà, le chasseur de trésors encore frappé. Le jour où tu fais la rencontre de la confrérie, faudra le faire dans une vraie taverne. Ouais, c'est vrai. Ça pourrait être chouette. Ok, un camion. Il a l'air d'y avoir personne. Ok, alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, y a ce petit système là de déverrouillage qui est sympathique mais qui en vérité est tout pourri. Voilà, ça consiste à bouger le joystick gauche jusqu'à ce que tu sentes la manette qui vibre. Mais bon, enfin voilà, ils ont mis des petites flèches là, au cas où tu saches pas. Bon, voilà, c'est dans les faits c'est chouette, mais au final la feature elle est un petit peu... Voilà, elle est pas indispensable, quoi. Mais c'est bien qu'il l'ait rajouté, quoi. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Pff, non, mais les jeux de lumière, quoi. Ouais, non, y a quand même pas à dire. J'ai vraiment hâte que The Last of Us 2 sorte, parce qu'à mon avis, ça va être ça, mais enfin, les mecs vont encore plus pousser le truc. J'espère, en tout cas. Et salut, Gagage, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. T'as oublié un camion dans le premier camp? Non, non, Galaxian, je suis allée le voir, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait rien dedans, quoi. Oh, super, c'est maintenant que tu me dis ça. Et j'ai garé le camion, super loin. Bon, écoutez, c'est pas grave, je vais retourner. Putain, Nadine, mais Nadine, tu es parfaite. Je suis tellement parfaite. Ok, il y a un truc que je voulais aller voir, c'est que là-bas... Ouais, j'ai bien vu, il y avait un petit renfoncement. On va aller voir où ça mène, c'est peut-être la suite. Ouais, ok, il y a... un trésor. Et après, ça a l'air d'être un petit raccourci... peut-être pour la voiture. Ouais, j'aurais peut-être pu passer par là avec la bagnole en fait. Mais ça m'évitait de me faire tous les mecs qui étaient là-bas. Ouais, c'est ça. Bon, au pire, je repartirai par là-bas plus tard. Et on va aller pousser les portes. Voir ce qu'il y a derrière. Bon, là, je suis au max de la course, hein, donc désolé. C'est le jeu où on trottine ici. Hein. Bonne affaire. Merci. Oui, désolé, je me permets en même temps. Vous connaissez un petit peu la maison maintenant. Ok, alors où était... Elle était un petit peu plus haut, je crois. Comme toujours, avec plaisir. Hop, je vais juste avoir cette corde. Ah, elle est parfaite. Voilà. Hey, je vais m'occuper de celle-là. Ok. Allez, je suis pas hyper bavarde, mais en fait je découvre en même temps que vous, hein. Du coup j'apprécie également le jeu et tout ça. Ça là contre le tigre. Un combat loin d'être équitable. C'est ça là qu'a gagné en fait. Il protégeait son gourou et tua l'animal d'un seul coup. C'est de là que vient le nom Oysala.
Oi signifie coup dans leur langue. Il y aura un quiz après. Très bien. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Rien du tout. Oh, excuse-moi Nadine. Benga, j'ai abandonné le match de foot pour ton stream, Mary. Est-ce que tu connais la série Zia Droite, ça pourrait te plaire? Ouais, ouais, j'ai vu qu'elle était sur... J'ai vu qu'elle était sur... Mince. Non, 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 Fraser, ça va? Ouais. Viens ici. Elle est bonne. Allez, on y va. Oui, sur Netflix. Voilà, j'ai vu qu'elle était sur Netflix, mais merci, Thor. J'ai la lumière. Ok, c'est bon. Normalement, Nadine n'est pas loin. Ah, c'est triangle. Ah non. Ok, normalement après ça va être carré. Ils ont laissé leur matos d'escalade. Ça pourrait être utile. Ok, magnifique. Hop. Salut Josh. Alors, ça donne quoi ce le Uncharted Lost Legacy? Est-ce que ça mérite le nom Uncharted? Écoute, mais carrément. C'est ce que je disais, bah justement, je suis désolée pour les gens qui sont là depuis le début du stream, je vais me répéter, mais... La team Nadine Chloé, c'est parfait. Niveau gameplay, c'est parfait aussi. C'est dans la droite lignée du dernier Uncharted, du 4. Bah, tu vois, il y a même la feature du pic, là. Donc, au final, tu le prends en main de manière hyper intuitive. Voilà. Enfin, il n'y a pas à chercher niveau gameplay ou quoi. C'est vraiment... Enfin, c'est vraiment juste parfait, quoi. Ah, ok. Bon, c'est pas grave. Et au final, voilà, ça se joue super bien. La seule chose en fait que je regrette un petit peu, c'est justement au niveau du storytelling, parce que je trouve pas assez poussé. Pour moi, il n'y a pas de, tu sais, les scènes un petit peu épiques avec la musique et tout ça qui rendait vraiment le jeu comme étant, et salut Enrique, comme étant un jeu film un peu. Voilà, je trouve que ça manque un petit peu de ça. Après, bon, c'est pas dit que ça n'arrive pas. En tout cas, c'est mon petit regret, quoi, pour l'instant. Il va me voir. Ah, je sais pas où est mon point de contrôle. Slack doit venir. Juste là-bas. Je te couvre. Ok, il y a lui là-bas. Là-bas, j'hésite. Hop, c'est ce qui me fait peur. Le duo Chloé Nadine fonctionne aussi bien que les duos avec Nate. Ouais, ouais, carrément, ouais. Franchement, après, je sais pas. Putain, c'est quoi ce délire? Non, attendez, je recommence au point de contrôle, ça me va pas du tout. J'avais que 3 balles. Ok, recommencer au dernier point de contrôle, oui. Ça marche super bien. Je sais pas ce que tu pensais en fait à la base des personnages de Nadine et Chloé. Je trouvais que dans le quatrième, moi, Nadine, je la trouvais sous-exploitée. Je trouvais que c'était un personnage vraiment hyper, hyper classe, hyper cool. Vraiment, tu vois, genre vraiment l'archétype, la meuf, voilà, vraiment, vraiment forte, qui sait ce qu'elle veut. Enfin, tu vois, elle avait un bon tempérament. Bref, elle était bien présentée. Et j'ai un petit peu regretté qu'elle soit juste une antagoniste en fait. Voilà. Et je l'aurais bien vu team-up avec. Ah ouais, j'aurais bien vu team up avec Nate, et au final le fait qu'elle le fasse avec Chloé qui pareil a un fort tempérament aussi, bah c'est pas plus mal. Ok, il y a lui qui est pas marqué là-bas là. Alors les vannes de Nate et Sully, etc. marchaient trop bien, j'avais peur que Nadine fasse trop sérieuse. Bah, concrètement, ouais, comment dire... j'essaye de voir, là-bas il y a l'air d'y avoir des herbes hautes. Comment, par où est-ce que je pourrais passer? Bah par là-bas, je crois que je vais pas avoir le choix. D'abord lui, après les autres. Je sais pas, ou alors passer par là-bas.
Ouais, concrètement, c'est pas du tout. Enfin, tu verras, elles sont. C'est vraiment ces deux meufs et ces deux revanchardes, en gros, quoi. Et voilà, c'est très axé là-dessus, donc c'est les meufs qui en veulent. Donc c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de blague. Il y a même une petite relation, tu vois, de supériorité de Chloé par rapport à Nadine qui me plaît pas trop, parce que j'en ai marre qu'elle se fasse bolosser, la pauvre. Mais sinon, ouais, ça, je sais pas, le duo fonctionne bien, mais c'est dans quelque chose de tout à fait différent, en tout cas. Est-ce que je peux rester accroché là sans qu'il me voie? J'ai l'impression. Salut Diablotin, merci beaucoup pour le follow. Qu'est-ce que... Ah, s'il peut s'avancer un petit peu, ça serait cool. Il va pas s'avancer. Il y a eux là-bas, tant que je suis ici, ils me voient pas. Après, est-ce que ça, c'est des herbes hautes? Franchement, je suis pas sûre. Espèce de blé chelou, là. Sinon, je pourrais passer par là-bas. Comment je pourrais faire ici? J'ai l'impression que je suis un petit peu bloquée. Peut-être qu'il faudrait que je passe par là-bas. Sauf si lui, il arrive. Ouais, non. Il n'ira pas plus loin que ça. Ok, d'accord. Hop. Ouais, c'est bon, il m'a pas vu. Hop, hop, scénaristiquement, ça n'a aucune suite directe avec les précédents. On te fait comprendre que c'est la suite. Après, sinon, non. Non, non, ils ont fait quelque chose d'assez, justement, d'assez libre. C'est vraiment, c'est pour le coup, c'est un vrai stand-alone, quoi. C'est-à-dire... Enfin, voilà, c'est les meufs qui... Enfin, ouais, non, voilà. Hormis qu'on sait que c'est une suite, parce que c'est mentionné comme étant le cas, par Nadine, du coup, c'est vraiment centré sur leurs histoires à elles, quoi. Il n'y a pas d'interférence... Voilà. Des références à Sam, du moins. Oui, ouais. Ouais, ouais, il y a des références à ça. Elle fait des références à Shoreline aussi. Enfin, voilà, de quoi te faire comprendre que... Et c'est la suite. Attends, si je reste là, c'est bon? C'est quoi, c'est des herbes hautes ou pas? Ça compte comme des herbes hautes? Oui. Non! Ah, putain, je suis désolée. Ouais, je sais pas où est-ce que je pourrais passer là. J'en ai aucune idée. Je les ai vus passer par là. Vérifiez cette zone. Tu regardes là-bas, moi je cherche ici. Allez, viens par là, mon gars. Non, je les vois pas. Ah, si, viens un peu plus près, regarde, je suis juste là. Ah, je sais absolument pas où passer, c'est horrible. Magnifique. Bon travail. Je suis désolée, je vis sans viser, hein, vous savez. Bah alors. Ok. Il n'y a plus personne, bon. Désolée. Là, au final, je crois que cette, la run pour full furtif, elle est pas pour maintenant, quoi. Clairement pas. Ok. Ok, bon, alors une fois qu'on est là, j'ai pas pu regarder ton live quand Twitch a bugué, ça m'a mis déconnecté, ça a mis erreur. Ah oui, oui, oui. C'était un peu relou hier, d'ailleurs. Excuse-moi, Nadine. Ouais, c'était même pas mal relou. Ce bug là qui empêchait plein de monde de pouvoir accéder à la page. Même moi, hein, j'ai eu peur de reload parce que sinon j'aurais plus eu accès à rien. Y'a quoi là? Y'a rien du tout. Salut, Matine. 2010.
Ouh. Impressionnant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, voyons ce que ça fait. La statue a bougé. Bon, on va voir ce qui va se passer. Bon, je comprends rien. Ok. D'accord. Oh, figure-toi que se prendre un coup de hache, un peu mal. Tu m'étonnes. Tu vas bien ? Ouais, la routine, en fait, quoi. Ok, il faudrait qu'on arrive à... Y a rien de tel que d'apprendre sur le tas. Je préfère admirer le maître. La flatterie mène à tout. En plus, je tiens pas à me prendre un coup de hache. Bah alors, je veux bien que tu te pousses, par contre. Nadine ? Par où est-ce que je pourrais passer? En fait, moi, si j'ai bien compris, il faut juste pas du tout que je touche les... justement, celles qui ont un truc doré ici. Alors, je sais pas si c'est exactement ça ou pas, on va voir. Salut Abdelmajid, merci beaucoup. C'est ça, hein? Merci beaucoup pour le follow. Ah, c'est ça. Hop. Et je peux pas tirer ça, par contre? Ok. 2, 3. Ok, je ne comprends pas. Je crois que je comprends sans comprendre, en fait. C'est au troisième coup, il faut que je sois pas dans la direction de l'âge. Donc ça, ok. Ok, c'est bon. C'est bon. On est passé. Okay. Heureusement que c'était pas timé. Viens. Oh putain, c'est beau. Oh bordel, qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Avec les petits jeux de lumière là. Non, franchement, c'est magnifique. Ici, là. Juste après l'énigme. L'énigme, c'est bon, vous l'avez vu? Bon, sinon, j'ai trouvé ce que c'était. C'était tout nul. Hein. Voilà. Je la refais pour vous, si vous voulez. Si jamais vous ne l'avez pas vu. Hop. Dites-moi, je vais également, voilà, remettre le son pour que tout soit bien. Voilà, magnifique. Hop, hop. Hop, voilà, on a vu. Magnifique. Bah, dans ce cas-là, je m'en suis arrêtée juste ici. Et où je disais que c'était juste absolument magnifique. Genre, les petits jeux d'eau par terre, enfin voilà quoi. Ça a coupé juste après l'énigme. Bah c'est là où je me suis arrêtée, donc parfait. Voilà. Trophée obtenu. No filter. Magnifique. Hashtag no filter. Oh. Le nom de trophée tout pourri. Ok, parfait. Salut papy sapin. Comment ça va? SFR encore frappé? Non, c'est pas SFR là, c'est... Ben, c'est lié, mais c'est plus une question de... d'USB en fait. Non, c'est pas vrai. Trois statues, avec deux symboles différents maintenant. L'étoile et des anneaux. Ce sont tous des symboles du soleil. Je préfère la description. Ok. Bon. Oh, ça va être chaud. Oh, ça va être chaud. Alors attendez, ok. je suis en train de visualiser le truc là. Je me dis que ça va être extrêmement chaud. Ok, quels sont les trucs qui sont safe? Je peux pas savoir. Oh, ouais, comme tu dis.
Bon bah ça va devoir se faire au talent tout ça. C'est vraiment pas passé loin. Pas trop mal. Lui, qu'est-ce qu'il va faire ? J'avais deux choix. Hein. Bon, très bien. J'ai eu chaud. On progresse. Ok, c'est bon. Magnifique. C'est bon, à ton tour. Bien, je suis. Oh non. Oh, maintenant. Je me disais bien qu'il y en avait encore une. Je le savais, tout vient toujours par toi. On verra. Oh, l'angoisse. On a quoi? Deux marteaux qui frappent ici. On a elle qui fauche. Oh, et lui il tourne. Oh là là. Ok. Ok, ça va être chaud. Je sais pas du tout. Pareil, je crois que je vais devoir y aller au talon là parce que... À mi-chemin. Eh ben niquez-vous. Non, dégueulasse. Ok, bon. Je pense que les trois quarts, on est bon. Voilà. Tu te prends ça, en vrai, tu restes sur la lame. Mais oui, tellement. Désolée. Cette fois-ci, c'est la bonne. Promis. Je mange la pomme de terre de la victoire. Bon, c'est vrai que c'est important du coup. Lui...
Bon, lui, de toute manière, je suis safe. Lui, il n'est pas revenu à sa position initiale, donc pour que qu'il revienne à sa position initiale, j'en ai encore un comme ça. Lui, il n'est pas revenu à sa position initiale non plus. Dans ce cas... Et alors lui, par contre, il a sa position initiale, donc j'en ai que trois. Pour ne pas être ni là... Non, pour ne pas être ni là, ni là, ni là. Parce qu'en fait, il fauche comme ça. Donc lui, par contre, il fauche comment? Il fauche comme... Ça, je pense. Ah non, il devrait faucher là. Pas là. Ah oui, non, mais c'est lui qui fauche là. Alors attendez. De manière, en étant ici, je suis forcément safe. Ici, là. Lui, il est revenu à sa position initiale, donc... C'est au troisième. Lui est revenu à sa position initiale, donc c'est au troisième. Et lui, il va faucher... au prochain, donc... Faudrait que j'aille là, ça ferait un... Non, lui, il fauche au deuxième, en fait. Je crois que je... C'est chaud. Ok. Ouais, c'est bon, j'essaye de comprendre le truc, mais oui. Essaie de surveiller quelle statue est sur le point. Ah oui. Merci, merci Nadine. Très bien. Désolé, j'y retourne. Je vais bien. Ouais, je vais bien. Ok, c'est bon. C'est bon! On est passé. De l'air pur. Ouais. Magnifique. Ça fait du bien d'être là. Ça sentait bizarre là-dedans. Il nous faut une hache. Mais qu'est-ce que... Oh, c'est pas juste. Ok, très bien. Et salut. Oula, j'ai pas vu qui avait follow. Salut, salut Napichili, merci beaucoup pour le follow. Ça manque d'une emote GG, mais GG, ouais, c'est vrai. Les gens me le disent souvent, donc... C'est vrai que ça manquerait d'une émo de GG, ouais. Ok, bon, elle est là. Faut juste que j'arrive à la bouger un peu à gauche, quoi. Ravi de te rencontrer, Shiva. Allez. Ça roule, ma poule.
Rien de café ? Juste ma dignité. Et voilà. Que l'eau coule. Et voilà la troisième. Tu sais, t'es plutôt douée pour la chasse au trésor. J'apprends vite. Mais j'ai une question. Je sais que tu pourrais faire à peu près tout ce que tu veux. Alors, pourquoi tu veux t'en récupérer, Shoreline ? Tu plaisantes ? Mon partenaire retourne mes hommes contre moi. Mon lieutenant se barre avec la prime. Nathan et Samuel Drake sont épargnés et tu demandes pourquoi je veux récupérer Shoreline ? Ouais. C'était de ma faute. Je l'ai perdu par ma faute. C'est quoi ce truc avec lequel t'arrêtes pas de jouer ? C'est mon jouet anti-stress. Je l'ai reçu par la poste peu après notre arrivée en Australie. Bon, on ferait mieux de bouger. Faut pas qu'Assav nous passe devant. Tu sais, moi aussi j'ai eu ma dose de foirage. Faut oublier, passer à autre chose. J'aime pas l'échec. Personne, mon chou. Allez, on y va. On salut, Nakoromi. Ouais, allons-y. Encore en retard, je vais devoir regarder en replay. Je vais peut-être pouvoir le choper alors. Il te plaît le jeu ? Ouais, franchement, j'aime super, beaucoup. Un raccourci. Très content de pouvoir remettre. Par où on est venu. Je t'aurais fait éviter les haches. De pouvoir remettre les mains sur. Sur ce Uncharted. Oh putain, je suis désolée. J'ai cru qu'il y avait un petit truc au milieu et apparemment non. Ou alors c'est moi qui n'ai pas réussi à le choper. On va voir. Salut Scratbraze, merci beaucoup pour le follow. Non, salut, excuse-moi, tu m'as pas follow, t'es juste sur le chat. Salut à toi, désolée, je débloque. Complètement. Ah mais si, il y a un petit truc là. Ok, magnifique. Donc oui, oui, pour moi c'est dans la droite lignée de Uncharted, niveau gameplay c'est génial, c'est... Enfin voilà, niveau histoire c'est pas mal aussi, parce que moi j'aime beaucoup les deux personnages. Donc non, je trouve que c'est hyper bien fait. Allez Nadine, qu'est-ce que tu fais ? Mais, Nadine elle craque totalement. Mais Nadine ! Voilà. Hop. Ok. Hop, voilà. Hé, hey, si t'as autre chose à voir ici avant de sortir, c'est le moment. Ok. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est ta réputation de dur à cuire qui t'a décroché ce boulot. En plus, je me suis dit que t'aurais besoin d'argent. T'as pas tort. Tu veux que je te dise ? C'est pas désagréable de bosser avec une femme pour changer. C'est vrai. On n'est pas nombreuses dans le milieu. Il y a eu un marchand d'armes qui demandait à parler au patron. Et qui a fait marche arrière quand je lui ai dit que c'était moi la patronne. Bah, qu'est-ce que t'as fait ? Je lui ai cassé les deux jambes. Oh la vache ! Tu plaisantes pas, toi ? J'égalise juste les règles du jeu. Oh, Ross la féroce. Je devrais mettre ça sur ma carte de visite. Oh, attends, sur la paroi de la falaise ! Tu vois cette voûte ? Elle a l'air intacte. Non, je la vois pas du tout. Salut, salut, Malch, merci beaucoup pour le follow. Sur la paroi de la falaise ? Alors attendez, on est où là déjà ? Ça roule. D'accord, on est au point d'interrogation. Très bien. C'est bon, là, je vais aller. Point d'interrogation, c'est là. Bien vu. Ok, c'est très beau, on a l'air seul. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Des singes ? T'as l'air toute excitée.
J'aime bien les singes. On dirait qu'il y a quelque chose dans cette structure. Ouais, des singes. À part les singes. Eh ben c'est ce qu'on va aller voir. Hop. Et salut Flop. Salut Rémi, merci beaucoup pour le follow. Hop, c'est vrai que ce genre de jeu, c'est aussi cool à faire qu'à regarder. Ouais, c'est pour ça que j'aime beaucoup les Uncharted, même si je me suis décidée à les faire extrêmement tard. C'est vrai que c'est arrivé à un moment où j'avais envie, tu sais, de faire un stream un peu... un peu un stream film, quoi. C'est-à-dire que... on sort les popcorn et puis on, voilà, on passe une bonne soirée hyper scénarisée. Et pour le coup, ça tombait vraiment à point nommé, c'était vraiment génial. Il y a une fente. Juste la taille d'un jeton. Je tente ma chance. Les emplacements sur la carte sont remplis. Ouais. Il se passera quoi si on les trouve tous? Mais ah ouais, donc il faudrait aller... ok. Il faudrait aller partout ici, mais non. Bon, peut-être que je sais pas si le jeu va nous y emmener. Je sais pas du tout. Parce que là, par exemple, la grande étendue d'eau, on n'y est pas allé. Bref, je sais pas, ça me dirait bien d'y aller. Je sais pas si c'est ouvert à ce point. Un nouveau jeton pour ma collection. Allez, parfait. Parce que est-ce que les jetons servent vraiment au jeu? C'est quoi les symboles là-haut? Les symboles? Il nous en resterait combien? Deux à trouver? Ok, je prends le pari. Ces personnages doivent être les anciens rois Oysala. Ils étaient 11 en tout. Hop, salut Anakin. Salut Rockmanchi. Ça vous aidera à trouver la défense? Je crois pas, mais... ça rapporte, je sais. Et... allez, on y retourne. Bon, du coup, je sais pas si elle l'a marqué sur la carte, mais écoutez, on va aller chercher les jetons. Je sais pas ce que ça donne, mais j'ai bien envie d'essayer de faire le jeu à 100% au maximum. Donc on va voir. Hey, il y a un coffre là-bas. Ok, triangle. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a un trésor, déjà. Hop. Magnifique. Et ça, on est full. Bon, très bien. Hop. Les jetons. Ouais, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, je suis sûre que vous aussi, vous avez envie de savoir. Du coup, on va aller à la recherche des jetons. Ok. Où on en était? Alors. Ah, super, elle les a marqués sur la carte. Oh, mais non, mais il y en a tellement à trouver. Couper les ponts avec Shoreline. J'ai pas le choix. Oh, on a toujours le choix. Ok, il y en a un qui a l'air vraiment par ici, là. Là, à mon avis... Hop, hop. Je vais juste jeter un coup d'œil. Je dirais, mais te connaissant, tu vas aimer. Ok, c'est du loot. C'est un loot substantiel, à mon avis. On va aller voir. Ah, mais c'est le fameux... oui. Je sais pas ce qu'il faut faire avec ça. Moi, je pense que... je sais pas, comme il y avait une corde... je me disais qu'il faudrait utiliser le treuil, mais... bah, attendez, c'est vraiment là ou pas? Ouais, il y a un jeton ici. Ok, d'accord. Comment? Ah, je peux monter là-haut, déjà. Il
Mais attendez, là, je suis censé faire quoi? Oh, il faut un plus gros levier pour déplacer ça. Oh, ce truc est bien coincé. Mince, j'ai vu qu'ils m'ont parlé des... Elle fait quoi, là? Il doit y avoir un moyen de faire encore plus levier. Tu pourrais peut-être essayer de faire contrepoids. Tu sais que c'est pas bête. Je sais. Ok, c'est bon, salut Subsonic. Bon, ça, Marie, j'essaye de... Essaye de sauter sur le côté de la poutre. Ouais, c'est ce que j'allais faire en fait. Enfin, mais là, c'est juste que je me suis complètement foirée. En fait, voilà, je vais lancer le truc là. Le tirer au maximum. Mais non! Attendez, je me plante. Alors, attendez, ça. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est aller, du coup, ici, quoi. Là. Magnifique. Vive la physique. Non, vas-y, saute dedans. Ouais. Allez, un petit dodo. Après... Mais t'es passé où? Je me demande si je pourrais pas... essayer de me barrer tout simplement, aller où la bagnole? Ah putain, mais elle l'a mise tellement loin, sérieux? Allons donc, Nadine. Désolée. Je m'en suis douté là. T'es à moi. Bravo. Passe par derrière. Elle est revenue ici. Hein? On a un homme à terre ici. La dépêche chute, c'est bizarre. Oui, je sais, j'ai l'air très psychopathe quand je fais ça, mais... je suis désolée, c'est vraiment... un automatisme qu'il faut que je m'empêche d'avoir. Ok, c'est fini. Ok, carte. Lui c'est bon, il faudrait qu'on aille chercher les deux en bas. Quoique, non, il y en a qui sont juste à côté là. On sait quoi, on va tous les faire. Attendez, je me suis plantée. Nous, il faut qu'on aille. Direction sud-est, au final. Et qui a l'air d'être à peu près là où on était. Hein. Désolé. Voilà. Bon app, merci. Trop badass la meuf. Non mais tu parles de Chloé là, c'est le meilleur personnage secondaire d'Uncharted, je trouve. Ok, on est de quel côté? Pas du tout là où on devait être. C'est pas grave, ceci dit, j'ai l'impression qu'on est quand même pas très loin de là où on devrait aller. Ok, en étant là... En fait, il faudrait qu'on contourne le caillou. Ok, d'accord. Sur la rivière.
Allez. Et je pense que c'est là-bas. Je suis pas sûre, je vais regarder. Non, non, c'est là où je suis. Quoique. Après, à l'échelle de la carte, il me dit peut-être que je suis à côté. Non, mais si, ça m'a l'air d'être ça. Hein. Parce que vous en pensez. Ouais, si, c'est ça. C'est sûr. Ok. Ah, merci pour le lien du Twitter. Vous êtes parfait, vous êtes super efficace. Ok, je vais me mettre là. Hop, prends la main. On descend. Je vais jeter un coup d'œil. Ok, à tout de suite. C'est bon, le coup d'œil est jeté. C'est pas par là qu'on va. Merci d'avoir attendu. Je vais juste jeter un coup d'œil. Attends, Chloé, tu me fais honte là. Monte sur le capot. Voilà. Hop, ok, parfait. Merci, ça fera 800 euros. Eh ben très bien. Je vois qu'on ne perd pas le nord, Galaxian. Il y a une petite grotte là-bas. Ok, c'est bon. Hop, 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 hop. Tu pourras pas m'échapper. Magnifique. J'ai plein de petits copains qui t'attendent, tu sais. Ok, parfait. Et elle, elle m'attend là. D'autant plus parfait. T'as trouvé quelque chose d'utile? Ce jeton n'a pas de prix. Enfin, si, j'espère que si. Alors l'autre qui est dans les parages, il faudrait revenir sur nos pas et contourner la rivière et aller vers le nord. Désolé. Voilà, on y va. Salut Kawa, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Ok, on y est presque. Juste. Voilà. Je sais pas si vous entendez tous les petits bruits qu'il y a. Enfin, c'est tellement bien fait, quoi. Jeter un coup d'œil. Déjà, on la voit passer les vitesses, ce qui est vraiment cool. Bon, c'est une petite feature, mais voilà, ça ajoute vraiment au réalisme. Et puis on entend vraiment, vous savez, le levier de vitesse qui couine comme un espèce de vieux levier. Enfin, c'est vraiment, vraiment bien fait, quoi. C'est très bien foutu. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Comment on l'a fait sonner? Ok, c'est un genre de Tomb Raider. C'est ça en fait, Shmod. Concrètement, les Uncharted se sont inspirés de Tomb Raider à la base. Bon, maintenant, j'avoue qu'ils les ont un peu surpassés d'ailleurs, parce que Naughty Dog est derrière, mais... Mais oui, c'est ça en fait, concrètement. Bon. Attendez, je réfléchis. Qu'est-ce qu'on a? On a des cloches. Oui.
une des barres s'est retirée quand la cloche a sonné. Oh, sincèrement, vous allez me faire des pensées. Quelque chose me dit que je vais pas avoir une deuxième chance là. Pfff. Oh non, mais ouais, d'accord. Genre, c'est un truc timé quoi. On reste 4 et 3, 7. Combien de barres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Je reviens au point de contrôle, je sais pas où il était, j'espère qu'il est après le jeton. Il est après le jeton, magnifique. Ok. Je vais juste jeter un coup. Salut, salut Jean-Carlo. Merci pour le follow. Ok. Pas bon pour les acouphènes cette énigme. Ouais. Pourquoi que ça va, c'est quand même assez, assez discret. Hop. Le taux de lourdeur de cette énigme. Bah ouais, ouais, pour le coup. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Il y en a une que je vois pas en fait en étant ici. Hein. Eh bien, 8 barres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, ok, il y en a que 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, d'accord. Bon, ok, c'est bon, on y est. Encore un jeton Oysala pour ma collection. Parfait. C'est vrai que c'est quand même pas du bien aux oreilles. Il n'y avait pas une façon plus discrète de faire ça? Non, t'as quelque chose d'intéressant? Attends, me dis rien. T'as trouvé un autre jeton. Ding ding ding. Ok, carte. Il nous reste quoi? Il nous en reste 1 et 2. Ok, qui sont tous les deux bien planqués. Alors, sachant que nous, on va où? Je pense qu'il faudrait qu'on repasse par là. En fait, on va essayer de faire un triangle où on va revenir vers l'étendue d'eau. Ok, je vais tenter un truc. Hop, toujours Skyrim en deuxième partie? Ouais, toujours, bien sûr. Et là, il est là d'ailleurs. 23h, ça va, je m'arrête vers minuit à peu près. Je vais prendre Skyrim vers minuit. Hop, attendez, je change. Ouais, c'est bon, il faut que je passe par là. Non, désolé, hop. Je confonds toujours. Comme je joue à un vieux jeu, sur PS2, avant sortir du menu, c'était triangle, avant que ça soit remplacé par le rond. Et du coup, bah, j'ai pris l'habitude du triangle. Donc voilà pourquoi je galère un peu, quoi. Ok, pas sûr. Non, pas sûr que j'aurais dû passer par là au final. Hein. Quoique, bah à la limite, du coup, ouais, je peux contourner. Ok, faudrait que je suive la rivière. Oh, désolé, je me plante trop. Voilà. Hop, salut vendredi 13, comment ça va? Ok, regardez, j'ai. Ok, je vais suivre ça comme ça. Ok, on y arrive parce qu'au final ça a l'air d'être là.
Ouais, faut juste que je contourne. Je vais pareil suivre l'eau vers la droite. Ok. Hop, je vais pas tarder. C'était cool de revenir un peu, mais avec grand plaisir, Seven, écoute. Ça m'a bien plaisir de te revoir. Et donc ça sera par ici quoi. Ok, est-ce que ce serait ça? On va voir. Ouais. Ok, ce serait ça je pense. On va voir. Hop, salut, salut Maycon DVZ, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Quelle merveille nous attendent. Magnifique. Dans ma poche, petit jeton. Et avant-dernière. Il y a autre chose, j'ai pas l'impression. Hein. Putain, le détail de l'eau par contre, très très beau. Hein. Hop, salut Tranduil, comment ça va? Un truc qui brille. Ok. Allez, il faudrait qu'on fasse le décompte du choix, Mary, avant de prononcer le nom d'un follower. Oui, c'est vrai, parce que j'ai peur de mal le lire, en fait. Du coup, voilà. Et moi, alors, où est-ce qu'il faudrait que je passe? Il faudrait que je reprenne... Il faudrait que je reçuive la rivière à gauche, mais est-ce que c'est possible? Ok, là c'est là où on était tout à l'heure, ou hier peut-être. Et nous... Hop, on veut clairement aller... J'ai juste jeté un coup d'œil. Mince. Ouais, j'ouvre l'œil. Désolé, c'est quoi c'est... Merci pour ta patience. Ah non, excusez-moi, la carte elle est là. Non, on est là, il faut vraiment qu'on parte à gauche. Ça a l'air d'être ça, ouais, faudrait qu'on parte à gauche. Ok, on va voir. Ok, on va partir à droite. Ah non mais t'inquiète, Randul, hier il y a eu énormément de... Il y a eu énormément de problèmes avec Twitch qui ont mis peut-être... Plus de 4 heures, je crois, à résoudre le problème. Donc autant te dire que c'était tendu. On va voir. Salut, salut Wandrew, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Ah oui, il y a celui du milieu là que j'avais oublié. Oh, mais il y en a un en bas encore. Pourquoi je l'ai pas vu? Ah, vous m'avez rien dit. Vous êtes en train de me regarder jouer avec votre contre-soirée dans le chat et vous m'avez rien dit.
Soit. Je vais juste jeter un coup d'œil. Salut, Mister Jej. Ancienne activité pro en dehors du streaming. Ah oui. Alors en fait, c'est un peu compliqué d'ailleurs. D'ailleurs, je suis en train de réellement me poser la question parce que maintenant j'ai un problème qui. Attends. J'ai un problème qui engage mon capital auditif. Donc concrètement, voilà, ça veut dire que il y a plus du tout la possibilité de. Enfin, comment dire, je peux plus prétendre à une activité à plein temps, par exemple, si tu veux, salut requin rouge. Donc je sais pas, je me dis qu'à partir de là, il va peut-être vraiment falloir que je me fasse ma propre activité. Et en ce sens, le stream, pourquoi pas, ça peut être bien. Ah oui, lui, il a dit qu'il avait planqué le jeton. C'est ça qu'on l'avait pas trouvé. Mais qu'il l'avait planqué où alors? Bonne question. Va falloir qu'on cherche. C'est plutôt bon signe, je dirais. Et donc concrètement, je sais pas en fait. Je me dis que ça peut peut-être être le moment de professionnaliser le streaming. Et alors je suis à la recherche d'une solution qui ferait que du coup je peux gagner ma vie avec. Les gens soient pas obligés de me rémunérer spontanément. Je sais pas, on va voir. Le blog aussi, ça peut être une réponse à ça de la part de Chloé et moi, Chloé qui a le même problème. Non, oh bah, non mais Chloé... Attendez, hop là, voilà, salut Andrea, merci beaucoup pour le follow. Donc du coup voilà, 30 jules, je sais pas pour l'instant, là c'est vrai que... ça remet pas mal tout en question. Les plans, tout ça... Surtout que c'est vrai qu'on en parlait la dernière fois, mais en France, vaut mieux pas avoir de handicap, vaut mieux pas avoir quoi que ce soit qui t'empêche d'avoir une activité très classique, sinon, bah, c'est de suite un peu la merde, quoi. Ok, s'il l'avait planqué, s'il l'a planqué, j'y suis là, on est d'accord? Oui, et je l'ai pas, bon. Non, hop. Moi qui n'ai jamais vraiment fait de soirée de ma vie, je suis surpris d'avoir compris ce concept de soirée directement. Un peu déçu de l'humanité que ce genre de truc existe. De quoi tu parles, Rockmanchi? Ah, le concept de contre-soirée! D'accord. Oui, bah ouais, ça arrive. Hein. Parce que non, en fait, généralement, ça arrive quand t'es beaucoup. Attendez, parce que j'ai l'impression de voir que là-haut, vous voyez, il y a de quoi grimper. Mais alors, comment y arriver, je sais pas. En fait, concrètement, c'est quand t'es beaucoup de gens, bah, tu finis par être en petit groupe. Et au final, bah, t'as un petit groupe qui va parler d'un truc, et puis un autre petit groupe qui allait parler d'autre chose, et voilà. Et du coup, c'est vrai que ça alimente... Enfin voilà, c'est ça un petit peu la contre-soirée, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif. Hop. Hop, salut Lucas Pro, merci beaucoup pour le follow, bienvenue. Voilà. Je pensais qu'il l'aurait sur lui, le jeton. Pourquoi il l'a pas gardé sur lui? On va voir. Hop. Si vous avez une idée, surtout, hein, n'hésitez pas. Si vous voulez déguiser une aide en idée, n'hésitez pas non plus. Je fermerai les yeux cette fois-ci. Il a dit qu'il l'avait pas mis dans le camion, on est d'accord. Puis la dernière fois, j'étais allé dans le camion, il n'y avait rien. Ah ok, donc c'était pas ce camion-là.
Voilà, quoi d'autre. Ici. Moi j'ai plus, ça sert à rien, mais il lit pas le chat. Mais je suis concentrée. Je suis désolée. C'est vrai qu'en plus... Ah bah voilà, il est l'air magnifique. Hop. Ah, te voilà. Et hop, je l'embarque. Ok, très bien. La voiture, elle est là-bas. Alors il me reste deux du coup, cette fois-ci. Pour vrai, il me reste deux. Il m'en reste un tout au sud. On va y aller. Et on va remonter au nord. Attendez, je vais vous montrer. On va d'abord aller chercher celui qui est tout là-bas, là, que j'avais oublié. Ensuite, on se fera lui. Et après, on ira là-bas à la roue, en fait. Là, bah, c'est juste à côté. Donc, allons-y. Hop. Je propose une révolte. Eh hey. Ça va. Allons donc. Comme si on était de mauvaise compagnie. Non, mais. Non, mais cause, je lire. Allez, hop. Ok, du coup, j'étais là tout à l'heure. Et alors là, normalement, je suis pas très loin. Bon, j'allais vraiment tout droit. Ok, salut Bilvor, comment ça va? Et ce serait... ce truc là? Non, ce serait... Oui, oui, mais de l'autre côté en fait, j'ai l'impression, on va voir. Ok, très bien. Ok, trouvé. Je vais juste jeter un coup d'œil. Okay. Hop. À tout de suite. Un pixel du fail, hein, c'est vrai. Ok, c'est peut-être là où je dois partir, ça. Enfin, comment dire? C'est peut-être ma sortie plus que l'entrée. C'est bon, on y va. Donc c'est là, mais comment? Je vais juste jeter un coup d'œil. Bon, alors. Ouais, si je peux pas monter là-haut. Ben je sais pas, salut Avia, comment ça va? Je capte rien au chat et encore moins à ce que doit faire Mary Lost in Translation. Bah en fait... Attends, je vais te montrer la carte. Je cherche des petits jetons. Ça c'est mes photos. Mes petits souvenirs, attends, hop. Voilà, moi je cherche des petits jetons, tu vois par exemple, il y en a un. Ah ouais, je suis pas du tout au final, hein. Il me dit que c'est derrière moi. Oui, bah oui, il me dit que c'est derrière moi, forcément. Donc en gros, tu vois là les petits jetons ici. Et là-haut, les petits ronds dessinés, c'est ce que je cherche. Voilà, avant de clear la zone. Donc là, je suis dans ma petite voiture. Allons-y. Et j'essaye de les trouver, quoi, tout simplement. Donc là, pour l'instant, j'ai décidé d'essayer de faire le tour. Ouais, mais faire le tour, ça me paraît impossible. Non, ça veut dire qu'il faut que j'y aille par là-bas, mais comment? Hop, excusez-moi, hop. Je vais juste jeter un coup d'œil. Allez, en avant.
je fais un move désespéré là, hein. Je pense que vous l'avez vu, tout le monde l'a vu. Hop, salut Top Gun, comment ça va? Je vais juste jeter un coup d'œil, j'ai des choses à faire. C'était plutôt marrant. Est-ce que de l'autre côté j'aurais pas loupé ça alors dans ce cas-là? Attendez. Attendez, je vais aller voir. Parce qu'ici on est d'accord, il n'y a rien. Là. Là c'est du rocher quoi, ouais. Comme on est des bons, on n'utilise pas l'indice. Faudra aller à la falaise avec la chute d'eau. À moins que tu veuilles trouver le reste de ces jetons. D'accord. J'ai quand même utilisé l'indice, mais bon, ça n'en était pas un, donc ça va, ça compte pas. Bon. Oh, attendez, je suis devant. Je suis devant un truc impossible, là. Et là, je peux pas... Oh, mais si, attendez, j'avais pas vu. C'est bon, je crois que j'ai trouvé. C'est juste que j'avais mal observé. Enfin, j'espère, en tout cas. J'ai juste jeté un coup d'œil. Je bouge pas. Là, il doit y avoir moyen de s'accrocher, là, non? Je vais juste jeter un coup d'œil. Ouvre l'œil. Réfléchis. La falaise est derrière toi, ouais, je viens de voir. Ouais, c'est ça. Pas de doute, c'est bon. Hop. Quelqu'un connaît les futurs horaires de stream en cours d'année? Je suis preneur. Sa manette prépa me laissera beaucoup de disponibilité, mais j'aimerais bien suivre les quelques morceaux de stream. Ah, ça te laissera pas beaucoup? Oh, mais je pense que ça sera toujours du 21h. Ah là. Ce sera toujours du 21h, 3h, je pense, à peu près. Hein. Salut Brian Gio, merci beaucoup pour le follow. Yes. Attendez, j'étais coincé dans l'arbre. Ok, ça passe. Là aussi, ça passe. Là aussi, ça passe. Magnifique, c'est bon. Hop, hop. Évidemment, rien n'est jamais. Hop, sur le chat de Marie, donc c'était déjà Borderline. Oh, c'est déjà Borderline de théâtre, méchant. Qu'est-ce qu'on a là? Ça fait des centaines d'années que tu m'attends. Allez, bonne nuit, Benga. Allez, c'est bon, on y est. Bonne nuit, on a pas bougé. Et alors là. Est-ce qu'on a? Ok, ça. Ouais, c'est bien qu'il l'ait mis là. Salut Felipe, merci beaucoup pour le follow. Hop, bienvenue. Allez, il ne nous en reste plus qu'un.
Il faut qu'on remonte tout là. On y va. Salut, salut Tizzy Twitch. Merci pour le follow. Bienvenue à toi. Mais salut Biel, merci beaucoup pour le follow, voilà. Alors attendez, je mets un peu les cartes. Nous on est là, il faut qu'on suive le cours d'eau. En fait, il faut qu'on remonte le cours d'eau, d'accord. Bon, ok, simple. Simple tant qu'il n'y a pas de chute qui nous bloquerait la route. Genre ça, mais je peux contourner. Ok, je crois qu'on y arrive. Salut Benja, merci beaucoup pour le follow. Hop. Je vais juste jeter un coup d'œil. Ok, à tout de suite. Ce serait là alors? Là on a quoi? On a le cheval qu'on a l'air d'avoir déjà vu. Je commence à me faire de la corne aux pieds. Heureusement que j'ai pas oublié mon cerveau à la maison. Ça ressemble au mécanisme de verrouillage que j'ai déjà vu, mais un peu compliqué. Chaque cadran tourne indépendamment. Bah alors là, par contre, vu qu'il était déjà constitué... non, attendez. Y'a un truc à faire avec ça derrière? Non, ça a pas l'air. Ou alors... Non, faut juste faire correspondre avec le truc d'en haut. Bah c'était bon alors, attends, je comprends rien là. Ah ouais non, excusez-moi, c'est moi qui ai bugué. Non, c'est pas bon. Alors c'est quoi le problème? Non, d'accord, ok, parfait. C'est bon, j'ai compris. Je reviendrai après. Ah, là, on avance. Mais bon, je l'ai. Voilà. Mérite de reconstituer le visage. Non, mais je... non, mais là, j'ai craqué, là. Hein. Voilà, là, normalement... Bah alors, pourquoi il pousse pas l'autre? J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il le pousse pas derrière. Parce que pourtant, moi ouais, tu peux pousser les trucs d'une pièce active, ça c'est pas grave. Là, il va là. Ah mais peut-être. Désolé, hein. J'oublie pas que je suis en stream. Enfin, si, en fait, je l'ai peut-être oublié l'espace de 1 ou 2 secondes. Mais
Ok, c'est bon, j'ai compris pourquoi. C'est bon, hop. En fait, c'est juste qu'il y a un ordre pour les mettre. Ok, maintenant, on va commencer par mettre le tout petit. Voilà, le bébé. Tac. Il doit t'amuser avec nous. Il devrait être, du coup. Comme ça. Puis, lui. Hop. Non ! Attendez, je me suis plantée. Donc lui, du coup, que je refais passer ici. Voilà, c'est bon. Et l'autre que je change, donc... Comme ça. Ouais, bon, non, pas comme ça, mais... Comme ça, ça va, vous, sinon ? Voilà. Voilà. Je reprends la pièce. Je remets la pièce où elle devrait être, c'est-à-dire... là. Ok. Et ben, j'espère qu'elle est belle, hein, cette statue de pouliche, là, parce que... Magnifique. Pff, c'est bon, c'est bon. J'en aurais mis du temps, ok. C'est la dernière. Et voilà qui font 11. Magnifique. On va pouvoir aller voir ce qu'il y a là-bas. J'espère du loot. Allez, ça va, je suis pas morte. 11 droits, comme ça là, 11 jetons. On va voir cet endroit avec les singes. Comme tu veux, je dois t'y prendre. Ça va ouvrir la porte. Prends la main. Voilà. Bien. Tout en RP au final, hein. Voilà. Bonsoir Marie, bonsoir le chat. Salut Lucas, comment ça va? Allez, on les a tous. Est-ce que ça va d'ailleurs le... Je suis toujours en 1200, attendez, j'avais mis quoi, 1500 tout à l'heure, j'espère que ça va pas refaire bugger, on va voir. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Un joli cadeau. Je dirais même un très joli cadeau. Ça devrait rapporter un petit paquet à la vente. Sauf si je le garde. Allons voir. Il y aura peut-être quelque chose pour toi. Le rubis de la reine détecte les trésors. Vous avez lu ça? Il détecte les trésors! Génial. Hé, hey, regarde qui est là. Hein? T'es adorable. Oh, et là tu rougis. Gris. J'aime bien leur visage auréolé de poils. Oh, hey, oh, c'est génial.
Ok, désolé pour la fourchette. Salut Backpacker Joe, comment ça va? Désolé les copains, j'ai pas de banane sur moi. En fait, les singes mangent pas vraiment de bananes. Non, arrête. C'est vrai? Ils peuvent, hein, mais ils le font pas dans la nature. Ils se contentent d'insectes, de noix et de feuilles. Les bananes, c'est trop sucré pour eux. Ah, oh, mes références s'écroulent. Bientôt, tu vas me dire que le lapin de Pâques n'existe pas. Celui-là, il existe vraiment. Ok, bon. Il faut que je reparte. Comment je vais pouvoir repartir, d'ailleurs? Ouais, vraiment mignon. Est-ce que je peux remonter par ici? Ouais. Alors en fait, ce que fait le bijou de la reine, c'est que dans ma manette, j'ai un petit bruit qui m'indique, bah alors, voilà, qui m'indique qu'il y a un trésor pas loin. Donc c'est magnifique. Très très bien, j'accepte ce cadeau avec grande joie. Allez, on va pouvoir ouvrir la porte. Quelle heure il est ? Très bien, on va voir ce qui se passe avec ces chutes d'eau. Oh, est-ce qu'on peut pas enlever ça là-haut? Ça serait relou. Enfin, c'est relou. Allez, on décampe. Razor, faut que je te demande quelque chose. C'est important. Vas-y. Toi et Nathan Drake, c'était purement professionnel? La plupart du temps. Non, mais comment? Comment? Eh, hey, t'es mal placé pour parler de choix douteux, hein? Asav et l'autre là, le gosse de riche? C'était pas des choix, c'était des moyens d'arriver à mes fins. Mais Drake... Il n'était pas si mal. Je peux le dire, il se croit toujours plus malin que les autres, celui-là. Oh oui, il est incroyablement agaçant, vraiment. Il a son petit charme. Et on s'est amusé, le temps que ça a duré. Mais bon, c'est tout ce qu'on demande, après tout. Mais faut que je te demande un truc. Est-ce que vous parliez chacun votre tour ou tous les deux en même temps? Il y a un trésor. J'ai juste jeté un coup d'œil. Mais alors, il est où? Et peut-être là-haut, je vais aller voir. Hop, je vais me coucher. Bonne nuit le chaton, bonne nuit à tous. Bonne nuit Alex. Ouais, ça a l'air d'être là. Boum. Magnifique. Allez, on y va. Salut, salut Galkar. Merci beaucoup pour le follow. Hop, bienvenue. Allez, la voiture. Là où je l'avais laissée. Magnifique. On va être dans une petite conversation de meuf quand même, hein. Mais alors, hein, Nathan, est-ce que je la pécho? Ah, il y en a un autre. Attendez, il y en a un autre. Où est-ce qu'il peut être l'autre? J'irais bien voir en dessous, là, au niveau de la rivière. Oui, magnifique. Oh, j'adore ce truc. Très bien. Hop. Ok, on y va. On décolle. Hop, salut, salut David et Kenev. Merci pour le follow.
Quelque chose me dit que je devrais pas garer la voiture juste devant, mais bon. Et voilà. Tu viens ? Ça prend de graver un truc comme ça. Des années. Des dizaines d'années. Les Oysala étaient des vrais pros de l'architecture. Et de la guerre aussi. T'as raison. C'est peut-être une scène pour commémorer leur victoire contre les Perses. On dirait qu'ils se sont bien défendus. Sans doute. Mais pas éternellement. Tant pis pour eux, tant mieux pour nous, non? Cette gravure m'est familière. Cette gravure correspond exactement à celle du disque. Et ça veut dire quoi? Je sais pas encore. Mais je pense... on devrait essayer avec ça. On danse ? Excellent. Là, ça commence à me plaire. Ouais, j'ai juste besoin d'un moment. Bienvenue au centre d'Alebidou. Le dernier emplacement connu de la défense de Ganesh. C'est magnifique. Quoi ? T'as pas l'impression qu'il y a un genre de barrage entre les deux statues de Ganesh ? L'eau a dû finir par l'emporter. Alors comment on entre ? Attends. Ouais. La couronne. L'usure est pas naturelle. T'as raison. C'était peut-être une tour de guet. Les Perses ont dû entrer là. On m'a tellement rebattu les oreilles avec cet endroit. J'arrive pas à croire que je le vois en vrai. On pourrait prendre une photo ? Tu l'enverras à ton père. Bonne idée. Quoi ? Avoue que t'y connais rien à l'informatique. Prends une photo et tu lui montreras en personne ? Non, c'est juste un peu trop tard pour le faire. Oh non. Non, non. C'est rien. Ça va. Alors, on va visiter Alebidou ? Ouais. Bien. Allez, chapitre 5. La grande bataille, quelle heure il est ? 23h46. Allez, on peut se permettre d'avancer encore un tout petit peu. On va voir. Boulette sur 20, ouais. Carrément. Hop. Mais j'ai. Croire que c'est réel. Enfin, comment dire, là, c'est vrai que comme elle explique au début du jeu, c'est Chloé qui embauche ouais. Nadine. Ils ont quand même l'air de très très mal se connaître, quoi. Donc. Leur roi aurait dû utiliser leur richesse pour protéger son peuple. Et une cible aussi à l'échelle.
C'est beau, hein, pas à dire. Il y a un trésor. Une idée de comment atteindre la couronne? T'as apporté l'hélicoptère? Il est resté chez moi. Dommage. Alors va falloir grimper. Ok. Mais pour le coup, il y a vraiment une... Il y a vraiment un trésor pas loin. Je sais pas où exactement. Ok, ça a l'air très très proche. Là. Hop. Magnifique, elle la connaît seulement de réputation, c'est pour ça qu'elle l'a embauchée. C'est ça comme ça? Oui, voilà, en gros, c'est ça, ouais. Elle est lourde à ce qu'à un moment, t'as compris qu'elle a perdu son père. Bah non, c'était pas si évident, moi, personnellement. Enfin, comment dire, Chloé ne l'a pas dit, pour moi, je savais pas si... Enfin, tu l'imagines, mais bon, de la manière dont elle en parle... Elle pourrait très bien... Enfin, le mec pourrait très bien juste l'avoir abandonné, quoi, tu vois. Donc je sais pas, salut Mister... Mister qui? 1, 2, 3, YouTube. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Ok. Prête? Oh. Ok, par là aussi, il y a un trésor. Cherche un moyen de monter. Prends une petite photo. Je pense que je vais reprendre. Salut Apiculteur, comment ça va? T'as raison. Cette Chloé est badass, pas comme Chloé de Life is Strange qu'on a joué. Maintenant, j'ai jamais aimé celle-là. Oh. Si, ça va aller chouette. Comment? Ok, attendez. Là, c'est vraiment au cas où on se fail. Ah, attendez. Là, à mon avis, on va voir. Salut, Jenny. Merci pour le follow. Bienvenue à toi. Maintenant. Mince, alors. Je vais être... je vais être obsédée par cette histoire de trésor. Ah, il y a là-haut, sinon? Ça peut être ça ou c'est la suite? On va voir. Salut, salut VLTN. Hop, merci pour le follow, bienvenue à toi. C'est bizarre, ça a l'air d'être là-haut. Enfin, c'est dommage, vous pouvez pas l'entendre, faudrait peut-être que je monte un petit peu le son de la manette. Mais là-haut quoi. Ah, attendez, ce sera peut-être plus tard. On est parti alors. Hop. Hop, le bracelet trésor, le truc. À ne pas donner à Mary, sinon obsession de tout trouver. Bah bien sûr, surtout quand il sonne. Là, il sonne, là. Là, ça vibre pas du tout. Mais là-bas, ça vibre. Là, ça vibre beaucoup, là. Y a pas un truc en dessous? Ah, il est là, c'est bon. Désolé. C'est bon, je repars. Non, c'est vrai, c'est vraiment un truc à pas me donner. Ok, je vais remonter par ici. Parfait. Ok, hop. Elle tendait la main, mais bon, j'étais pas très confiante. Ok, là, ça fonctionne. Mes excuses. Ok, c'est juste énorme. Ce passage-là. Bah alors? Là-haut, j'arrive.
Non mais c'est vraiment impressionnant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est vraiment ouf. Allez, par là. T'arrêtes pas de me demander ça. Tu nous ferais gagner du temps si tu disais que ça va. Oh, merde! Oh, bordel. Au fait, ça craint vraiment, ici. Ouais. Continue, je te rattraperai. Non, c'est juste énorme. Hop. C'est bon. Ouais, c'est hyper stylé, quoi. Je vais y arriver. Laisse-moi juste t'aider. D'accord. Allez, monte. Demandez si gentiment. Attention qui compte. Elle n'est pas dit que Ganesh était le destructeur des obstacles. Il en placera sur ta route s'il pense que ça te sera bénéfique. Il est aussi le dieu de la bonne fortune. Celui que tu pries pour avoir prospérité et réussite. Je vois. C'est cool. Ok, par contre, c'est pas du tout aussi, il faut que j'aille à partir de maintenant. J'aurais pu me lâcher là, mais non, ceci dit, ça a vraiment pas l'air d'être... On va voir, on dirait de Laos. Non, c'est l'Inde, en fait. Mais où exactement, je sais pas du tout. On a dit, t'as pas une idée d'où est-ce qu'il faut qu'on aille à tout hasard. Ah bah... Il n'y a vraiment pas d'autre moyen de traverser. Non. Et comment ? Attends pas le bras là. Non ! Pourquoi j'ai sauté ? Oh non ! Je suis pas morte. Ah si, dommage. Dommage, très bien. Ça manque de bagarre. Non ! Non. Non, justement, je crois que c'est un des trucs que j'apprécie au final dans ce Uncharted, c'est qu'il n'y a pas, ouais, il y a pas que de la bagarre, quoi. Dieu merci. Je sais pas où est-ce qu'ils veulent qu'on aille. Ou alors je descends tout simplement. Je peux pas dérouler le câble plus que ça? Non. Ou alors là. Salut NeoJet. Ouais, ça va bien et toi? Ou alors là. Et là-bas, ceci dit. Ok, c'est bon, j'avais pas vu ça. Incroyable. Dans le bon ou le mauvais sens ? Je te dirai plus tard. Hop. Ok. Il faudrait qu'on aille où là-bas, j'ai l'impression. Ouais, elle tend la main vers quelque part, mais je vois pas du tout où. Ok, c'est bon. C'est bon. Tu te débrouilles comme un chef. Merci. Ça ira mieux quand on fera pour la couronne. Bizarre qu'on n'ait pas encore vu à ça. Je touche du bois. Ouais, ceci dit, normalement, on n'est pas censé être entré, hein, parce que c'est nous qui avons ouvert les portes, enfin bref. Voilà. Ah, voilà. Ça y est, on y est. Salut Bretzel, merci beaucoup pour son follow, bienvenue. Bah alors. Voilà. À côté là, des statues. Ah, je peux monter plus haut.
endroit à me balancer jusqu'à la couronne. Avançons encore un peu. Oh merde! Oh, oh merci. Salut, H, merci beaucoup pour le follow. Enfin, c'est hyper beau quoi. Franchement, je suis choquée. C'est très très beau. Alors ? Impressionnant. Ouais. Bon. Comment on descend de là ? Ok. Tout en douceur. Ok, alors par contre, je vois pas du tout où est-ce qu'il faut qu'on aille à partir de là. Là-haut. Ok, c'est bon, j'ai vu. Ok, vu. Boum. Et là, on arrive à monter là. Ok. C'est quand même très très beau, c'est quand même très très stylé. C'est quand même très très bon manette en main. J'espère que vous allez l'essayer parce que c'est juste un régal quoi. Notre entrée avec l'aimable autorisation de l'armée perse. Il faut que je mâche. Waouh, joli tir. Perse devait avoir un trébuchet. Un trébuchet. Tu pourrais pas. Salut Bilal. Merci. Oh, merci beaucoup pour le follow Bilal et merci 38 pour le super sub. Ah, je n'en attendais pas moins de toi. Ça me fait très plaisir de te compter parmi nos membres d'honneur. Merci beaucoup. Alors du coup, j'ai vu qu'il y avait quelque chose par ici. Oh putain, c'est beau. Non mais visuellement, ça défonce la rétine et d'une force. Enfin, c'est bien dommage que j'ai pas encore la fibre pour pouvoir vous montrer la beauté de la chose, quoi. Parashurama et Ganesh. Des amis ? On dirait qu'ils se battent. Mais matez-moi cette profondeur, quoi. Les démons, parfois, ils se battent entre eux. Oh, j'imagine que c'est pas vraiment son style. Ah, c'est ouf. Et merci beaucoup, du coup, 30 Jules pour le soutien. Oh là là. Ouais, on dirait bien. Ouais, y a un trésor là-bas. Oula, excuse-moi Nadine. Ouais, non, mais c'est vraiment très très beau. Hein. Laisse tomber, quoi. Elle a une petite photo. Salut Skywatch. Salut Skywatch, excuse-moi, merci beaucoup pour le follow. Qu'est-ce qu'on fait là, on saute ? Ah bah salut Green. Ils ont barricadé la porte. Ça leur a pas servi à grand chose. J'imagine qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les Perses débarquent par en haut. Après deux invasions, on aurait pu croire qu'ils s'étaient préparés. Et salut Lord Ark. Ils pensaient tout simplement qu'ils étaient invincibles. Merci pour le follow, bienvenue. Ah ok.
Ok, ici il y a quelque chose. Je pense que c'est là où on va, non? Oui. Par là. Oh, mais c'est tellement... Mais non, mais c'est tellement beau. Excusez-moi, mais je suis... Je suis... Ça est perse? On dirait un mélange perse et oïsala. Première ligne. Ah, écoutez, c'est choquant. En fait, je sais pas, c'est tout. C'est la palette de couleurs qui est utilisée. C'est vraiment mais magnifique, quoi. Ouais, ça y est, putain. Je suis le fan d'Uncharted de base, quoi. On y est, les gars. J'aurais jamais dû y jouer. Je pensais pareil, ça me fait penser à Ellie Riley. Enfin, Ellie voilà, et Riley. Là, on avance. Yes. Regardez le bracelet. Hey, encore une autre de ces portes. Voyons ça. Ah, super, enfin une qui fonctionne. Et voilà, enfin un peu de lumière. Magnifique. On est dans une crypte. Ce boule. Ah non, mais Chloé fait partie des personnages qui sont très très bien modélisés. Elle a des courbes absolument magnifiques. Moi, je la trouve extrêmement belle. C'est une belle cérémonie. Elle est magnifique, un mot quoi. Sanskrit qui signifie dernier sacrifice. Sacrifice? L'idée, c'est que nos corps sont des véhicules qu'on emprunte et qu'on rend ensuite pour que d'autres en profitent. De bien beaux sentiments. Trop tard pour ces pauvres types. T'as jamais joué à The Last of Us? Je vais te faire taper sur les doigts. Pourquoi? Si, j'ai déjà joué à The Last of Us. Hey, là-haut. C'est quoi tout ça? Merde. C'était ici, leur dernier combat. Ça a pas suffi à sauver leur empire. Bon, tant pis pour eux, tant mieux pour nous. Alors. Vraiment très beau, hein. Il n'y a pas à dire. Vraiment très très beau. Tu comptes faire The Last Guardian? Alors je sais pas, parce qu'on m'a dit que comme j'étais sensible au niveau de tout ce qui voilà, est animaux et tout ça, qu'il valait mieux pas que je le fasse. Voilà, on m'a dit ça, donc du coup pour l'instant il est pas sur ma liste. The Last of Us 2 en revanche est complètement sur ma liste. Nadine, tu m'aides à déplacer notre ami? Bien sûr. Allez mon petit vieux. Et voilà. Et salut N. Rosrig, merci beaucoup pour le follow. Ouvre-toi. Désolé. On doit se rapprocher. On est plus proche que ces types. S'il faut, ils ont attendu qu'on ouvre la porte, ils sont passés, parce que la porte se referme hein, derrière nous. Donc s'il faut, ils sont passés, la porte s'est refermée, on sait pas qu'ils sont venus là, quoi. Mais bon. Le mécanisme me dit quelque chose. Espérons que ça ne va pas ouvrir l'eau là-dedans. Ah. Oh, c'est différent. C'est quoi tout ça? Eh bien, je suppose que c'est une sorte de mécanisme qui sert à ouvrir cette porte. Ok, sur la gauche, on a Shiva offrant la hache à Parashurama. Et sur la droite, on a Parashurama coupant la défense de Ganesh. Attends, avec la hache? Ouais. Celle que Shiva, le père de Ganesh, a donnée à Parashurama? Ouais. Oh. C'est tordu. C'est ça, la famille. Allez, on essaie d'ouvrir cette porte. Alors comment ça marche? J'imagine qu'on le découvrira au fur et à mesure. Allez, on va voir ça.
Ils sont pas passés, la porte était complètement recouverte de végétation. Bien vu, pilote Polaski. Donc en gros, si les mecs sont déjà là, c'est que il y a incohérence manifeste, on verra ça. Oui. Ok. Voyons ce que ça fait. Bien, ça fait glisser la pièce loin de moi. Son ombre a bougé aussi. Essayons ça. Toi, tu vas là. Ah non, mais il y en a partout. Il n'y a pas de place pour cela. D'accord. Ça va rien donner. Oh, oui, d'accord, ok, je comprends. Ça y est, d'accord. C'est comme un plateau, vous savez, les plateaux avec les billes, quoi. D'accord. Ça va déplacer tout là. Bien, voyons si j'arrive à toutes les aligner. Ça a l'air marrant, en fait. D'accord, alors comme je suis très très nulle en géométrie dans l'espace, autant vous dire que ça met depuis tout longtemps. Juste que j'arrive à comprendre comment ça marche. Bon, ici par exemple ça va rien faire, donc je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ok, alors ça c'est... Ça c'est lui. Ici c'est une moitié. Ah, d'accord. Attends. Attends, c'est bon. Je crois que je l'ai. Ok. Alors attendez, je réfléchis. Lui, eux, je vais les mettre là. Ensuite. Lui, je vais le balancer là. Lui là. Voilà. Lui là-bas. Hop, bonne bonne papy sapin. Ok, et lui ici. Et là, si tout va bien, on est... c'était l'inverse. Normalement, c'était l'inverse. Il fallait que lui soit là. Ah non, attendez. Ouais, c'est ça, je me suis plantée. Alors attendez, comment est-ce que je peux faire? Lui soit là. Lui, du coup... Donc de ce côté-là, on a bien la défense. Ça, c'est bon. Mais par contre, il faudrait les pousser de ce côté-là pour que l'âge soit dans le bon sens. D'accord. Et alors lui, par contre, il va falloir le mettre ici. Et salut Grumpy Cats Nation, merci beaucoup pour le follow. Ok, là on est bon. Et là... On n'est pas bon. Parce que lui, il faudrait l'avancer comme ça. Attendez, je tente un truc, hein. Salut, merci beaucoup pour le follow. Il est où le bout de hache? Il est là-bas. Ah, je vais tout défaire. Je suis désolée. Salut, salut Chanel. Ouais, j'ai tout défaire. Pourquoi ça, c'est le bout de hache. Et pourquoi lui? Et il peut pas être collé à lui. C'est trop relou. Ceci dit, attends. Il faudrait qu'il soit là, par exemple. Comme ça.
Là, il serait collé. Pas encore. Une idée ? Il faut que tu bouges les pièces pour que les ombres s'alignent avec les formes sur la fresque. On dirait qu'à gauche, il y a Shiva, la hache, okay. Là, on est bon. À droite, là, on est bon. Ensuite, là... Je vois. Qu'est-ce qu'il faudrait bouger ? Il faudrait interchanger lui, au fond, avec lui, ici. Comment faire ça ? En le poussant là, normalement. Ici, ça change rien, mais là-bas, ça va le reculer. Voilà. Mais lui, par contre... Il faudrait le mettre... au milieu. Alors, attends, j'ai une idée. Ok, normalement, si mes calculs sont exacts, Marty, là... Je crois que c'est bon. T'as réussi, la porte est ouverte. Ouais. Merci. Ok. Mairie 1, la géométrie dans l'espace 0. Tout va bien. Sala et le tigre. Allons-y. Ah, merci Cyril. Merci Avia. Salut Alan d'ailleurs. C'est normal ça ? J'en sais rien. Va pas nous faire tuer. Rabat-joie. Prête ? Wow, wow, wow. Fais gaffe. Incroyable. Mon nom est un Shiva. J'allais le dire. C'est bon, tout va bien. Je t'assure, tout va bien se passer. Bien ? Elle est où, cette défense ? J'en sais rien, tout ça n'a aucun sens. Si, bien sûr que si. Léo et Sala se payent notre tête, voilà ! Je crois que t'as raison. Ah, super. Attends. Écoute-moi. Ganesh est l'emblème de... Allez, Bidou. Et Shiva, c'est celui de... Belour. Belour, l'ancienne... L'ancienne capitale. Exactement. Et si le roi avait construit cette ville spectaculaire, et que c'était devenu une cible idéale pour les Perses ? Pour qu'ils oublient l'ancienne capitale. Toute cette ville ne serait qu'un leurre. Peut-être qu'ils l'ont laissé se faire piller, pour protéger Belour. Et leur trésor. Je suis prête à parier que la défense a toujours été ailleurs. Toujours. C'est où, Belour ? Merde ! Là, je suis sûre que c'est pas normal ! Il va tomber ! Rapproche-toi encore, vite ! Je vais bien ! Vas-y ! Un brin de chance.
Hey. C'est du beau travail. Beau travail. Mon sac. Bon sang. Oh, tu visais quoi? J'ai trop la honte pour toi. Oh. Hey. Je peux me tromper, mais... Il n'y avait pas une chute d'eau ici? T'as raison. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des abducs. Ils sont là pour récupérer l'eau des chutes. Incroyable. J'en reviens pas de ce qu'on a fait. Bah... C'est moi qui ai tout fait. Frimeuse. Écoute, pardon si j'ai touché un point sensible tout à l'heure. Oh. Ça fait rien. Je crois que vous vous seriez bien entendus tous les deux. Il était con et arrogant comme toi. Je suis sûre que tout ça n'est pas passé inaperçu. On ne devrait pas traîner ici. T'as raison. Suis-moi. L'eau est canalisée vers la porte. Alors, on n'a qu'à suivre l'aqueduc. Alors, c'est moi qui ai tout fait, et moi, personne m'en tape 5, par contre. Hein. Moi, je peux crever, d'après ce que je comprends. Et bah, très bien. Écoutez, ceci dit, moi je vous propose de s'arrêter là pour ce soir au niveau d'Uncharted et de passer sur Skyrim. Qu'est-ce que vous en pensez? En voilà une idée qui allait pas mal. En tout cas, jusque-là, j'adore. Très sincèrement, je trouve que... Et salut Guvan! GG le sub. Oh, j'avais pas vu, mais oui. Attends, bouge pas, tiens, je te rends honneur. Alan, bouge pas. Voilà. Merci pour le resub de 3 mois. Et oui, rien que ça. Merci beaucoup pour le soutien, c'est chouette. Merci Trandil, merci Alan. Oh, c'est chouette. Merci, merci. Eh bien écoutez, je vous laisse ici pour cette découverte. Je vous laisse pour pas me spoil. Tu m'as donné envie de prendre le jeu. Eh bien écoute, c'est ce que j'aime lire, Avia. Bon jeu à toi. C'est vrai que, enfin, pour avoir la manette en main, il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous le tâchiez parce que c'est incroyablement satisfaisant à jouer. Je pense que c'est très satisfaisant à regarder. Enfin, je veux dire, vous perdez rien, ça reste un jeu à scénar. Et salut, Danifon. Voilà, ça reste un jeu à scénar et au final, bon, bah, que vous ayez la manette en main ou pas, au final, ça change peu de choses. Par contre, oh là là, mais enfin, avoir la manette en main, c'est juste incroyablement satisfaisant. Le gameplay est génial. Enfin, bref, voilà, c'est à faire si vous ne l'avez pas, si vous avez une PS4, c'est une exclu PS4. Si vous avez une PS4 et que vous avez envie de le faire, allez-y, tu stop Uncharted et tu go Skyrim, alors je reste... Oui, du coup, je stop ici, je vais lancer... Je vais lancer Uncharted, exactement. Salut, Ogre des Collines, comment ça va? Alors, attendez, voilà, ça part sur une petite sauvegarde. Salut, salut Philippe. Bye Link, merci beaucoup pour le follow, hop. Nouvelles données, je confirme, c'est pas déplaisant à regarder, Chloé. Non mais Chloé, en plus, elle est absolument magnifique. Elle est, enfin voilà, elle a des courbes sublimes, elle a un visage sublime, elle est super intelligente, enfin voilà, c'est très très bon personnage. Et salut à toi Danifon, merci beaucoup pour le follow. Il est comme le 4, ouais, concrètement, il est carrément comme le 4, surtout au niveau du gameplay en fait. Hop là, bougez pas, le temps, voilà, je me mets comme ça, le temps de changer de jeu.